Tu es calé. Non, je n'ai pas calé. Attends. Ok, pour la dernière fois, non. Vas-y, joue alors. Tu es aussi calé. Qui es-tu? Casse-moi au goulou. Toi, tu fais quoi ici? Je m'appelle Princesse Adézé. Hey! Regardez la fille d'un pauvre cultivateur qui s'appelle une princesse. Hey, ma chérie! Hein? Il n'y a rien à dire. Laisse-moi te dire que ceci soit la dernière fois que tu viens entrer pendant que nous jouons. M'as-tu compris? Maintenant, quitte cet endroit. Oh, yeah. Et nous, va-t'en. J'ai dit de partir. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Tu fais encore quoi ici? Regarde-moi celle-là. Pardon, allons-nous jouer. On ne sait même pas d'où elle sort. Princesse, mais. Pardon, viens jouer. Continuons de jouer. Vas-y. Moi. Allons. Ok, vas-y. Attends, c'est moi qui joue. C'est quoi? C'est laisse-moi jouer, non. Attends. Votre Majesté, nous sommes allés à notre supervision quotidienne de notre frontière. Et alors? On a vu votre frère sur votre terre. Le même terrain dont il est censé se tenir à distance? Oui, Votre Majesté. Nadi. Oza. Le fait que je sois un bon roi ne te donne pas le droit de me manquer de respect. Le roi Nadi est tenu devant toi. La tradition faisait que tu plantes les genoux et que tu t'adresses à moi comme un roi. Tout ce que je vois, c'est mon petit frère habillé comme un roi. Et tu sais que cela est tabou. Oui. Enzo. Je suis ton roi. De quoi parles-tu? Je te préviens, reste éloigné de ce terrain. C'est noté? Écoute. Nadi. Tu m'as pris mon trône. Je n'ai pas fait de cela un problème. Mes terres d'Achago et d'Iyogwe, tu me les as arrachées, je ne t'ai pas dérangé. Je serai un poltron si je te laisse prendre cette parcelle. Oui. Ozo, ta bonne n'a rien de mère. Aurais-tu te faire une faveur en te faisant savoir que tu n'es pas le vrai fils de mon défunt père, le Igwe. Ma osu. Ma osu. Tu touches le roi. Je n'ai pas peur de toi. Pas du tout. Je suis dans mon royaume. Disparaissez de ma vue. N'importe quoi. Pourquoi ton visage est comme ça? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi ton visage est comme ça? Parle-moi.
Maman. Maman, dis-moi, ne suis-je pas la princesse? Qui a dit que tu n'es pas une princesse? Parle-moi. Maman, maman, écoute, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai vu mes amis en train de jouer, alors j'ai voulu me joindre à elles. Et puis, elles m'ont demandé comment je m'appelais. Je leur ai dit que je m'appelais princesse Adézé. Oui, bien sûr. Elles se sont mises à se moquer de moi. Et elles se sont dit que, récemment, une d'entre elles, elle m'a appelée... Elle m'a appelée... la fille d'un pauvre cultivateur. C'est pour cela que tu te fâches. Écoute, très bientôt, ton père deviendra le roi. Et toi, tu seras la princesse. Et elles utiliseront cette même bouche pour t'appeler une princesse, ok? Pourquoi pleures-tu? D'accord. Tout va bien, d'accord? Oui, maman, d'accord. Allez-vous-en. Allez-y. Mon roi, qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? J'ai été humilié. On m'a manqué de respect. On m'a craché sur le visage. Et qui est ce mortel qui a le courage de faire tout ce que vous avez dit? Mon frère. Mon frère est celui qui a pris. Aucun roi, au passé même au présent, n'a jamais eu autant de prouesse dans le leadership que toi. Mis à part l'autorité que tu as. Ce que je ne comprends pas est que tu es assis là et tu voudrais ignorer ce fait. Il a pris. Bien plus que ce qu'il devait prendre. Garde. Ma reine. Laissez-nous. Bien. C'est simple. Utilise ta colère envers lui. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mon mari, je suis très contente que tu aies confronté Nadé. Cela lui montrera que tu n'es pas un cobaye. Ce qui est arrivé à Nadé cet après-midi est insignifiant comparé à ce que je lui ferais s'il ose me tenter à nouveau. C'est ça? Oui. Oui. Organé. Mon amour, viens. C'est le moment que je prouve aux Ezemois, aux anciens et à Nadi, que la petite foulée du tigre n'est pas un signe de lâcheté. Oui, mon mari, je suis très content de savoir que tu as parlé de la sorte. Tu as été silencieux depuis longtemps. Ils mordent plus qu'ils ne peuvent avaler. Où tu fais Watamunya Kienu, à Kalobielo, au Wetouaya. Oui. Assez, c'est assez. Le trône m'appartient. Oui. Et personne ne m'intimidera. Nous vous saluons, mon roi. Revenez ici. Allez, vous revenez ici avant que je me fâche. Laissez-moi les doigts, on vous appelle. Dépêchez-vous. Qu'y a-t-il? Tu imagines? Donc, je suis plus qu'un pancarte? Vous allez le regretter. Revenez ici. Viens ici. Imagine tout ça.
Mwande mona mbwedanga mbwe kumola kwana kumwa. Mazi kimine momo. Vous devez vous occuper d'eux. Moi, ma chega ma dagangne. Écoute. Quoi? Quoi? Que se passe-t-il? Vas-tu me dire ce qui se passe? Laissez-moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Un animal est sorti sur terre et a mangé ma femme. Humain invisible, a pris ma fille. Laissez-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Votre Majesté, je ne parlerai pas jusqu'à ce que votre frère soit là. Ah bon? Oui. Agum, Majesté, dépêche-toi d'appeler mon frère. Vite! Viens avec moi. Laissez-moi. Je t'en prie. Assieds-toi. Non. Je vais rester debout. D'accord. Comme tu voudras. Aisez-moi, tu m'as convoqué. Votre Majesté, je dois dire ceci devant vous deux. Pour éviter la colère de Dieu sur cette terre, laissez le trône à votre frère. Mais Dieu en parlait. Nadi, tu es trop jeune pour tout ceci. Si j'étais toi, j'écouterais les voix des dieux. Mon mari, tu devrais être content depuis que le Aisez-moi demandé à Inadi de te passer le trône. Obidia, Aisez-moi doit le dire comme il l'a fait. Mais c'est à mon frère qui revient d'obéir à cet ordre. Nadi est un homme
très dangereux. Donc je ne pourrai que célébrer si je suis couronné roi de ce royaume. Mon mari, tout ira bien, ok? D'accord. Où est ma fille? Elle est à l'intérieur. Magou, majesté, approche. J'ai une bonne nouvelle. Quand c'est fait, pas d'erreur. Ah, Ewo! Le serpent, Ewo! Ma jambe! Que lui est-il arrivé? Il a été mordu par un serpent. Qu'en est-ce de Oz? L'as-tu tué? Ça s'est passé avant qu'on arrive chez lui. Il faut qu'on se dépêche. Sinon, il mourra. Fou! Fou! Voilà ce que tu es! Comment es-tu? Désobéis à mes ordres! Pardonnez-moi, Majesté. Je ne savais pas quoi faire. Dégagez-le d'ici! À vos ordres, Majesté. Hey! Dégage! Igwe, votre majesté, vous avez fait appel à moi. Ezenwo, y a-t-il rien que je puisse faire pour remédier à cette situation? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Rien? Rien. Je dois partir. Bon après-midi. Qu'est-ce que c'est? Que faites-vous ici? Mais aujourd'hui, c'est le jour du marché. Vous êtes invité? C'est le jour du marché, votre majesté. C'est notre jour habituel pour la réunion. Nous avons une réunion de conseil. Hein? Oui, c'est vrai, c'est toujours. Allez-vous la fermer? Ah. Hein? Nous t'es. Ah, dégagez de mon palais. Oui. Dehors! Nous t'es. Garde! Majesté. Hein? Sortez ces gens d'ici. Mais qu'est-ce que vous sortez d'ici? Pardon. Allez. Pardon. Sortez. Hein? Sortez. Sortez! Y'a pas de quoi nous brutaliser! J'ai dit fichez le con! Sortez d'ici! Y'a pas de quoi nous brutaliser! Mais. Top Mark! Hey! Hey! Oh. Dégagez! Hey! Oh.
Ma fille. Père. Si tu vois l'opportunité de devenir la reine de ce royaume, la saisiras-tu? Oui, père. Oui. Ce genre d'opportunité vient de se présenter. Père, je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Nadia est ton amie. Oui. Ok. Je veux que tu t'approches de lui. Convainc-le. Fais en sorte qu'il s'intéresse au trône et laisse-moi faire le reste. Mais, père, comment ça pourrait être possible qu'il le devienne, puisqu'il n'est pas le premier fils? Fais simplement ce que je te demande de faire. Fais en sorte qu'il s'intéresse de plus en plus au trône et je m'occuperai du reste. Et je veux que tu le fasses maintenant. Maintenant? Vas-y maintenant, oui. C'est le moment idéal de parler avec lui et de le lui faire comprendre. Tu vois? D'accord. D'accord, si tu le dis. D'accord, père. Je crois que ça marchera. Pareil que tu voulais qu'on discute. Aldo, qu'est-ce que dit-il? Nadé, à chaque fois que je te regarde, je vois ton père en toi. Et depuis que ton père est mort, et à chaque fois que je vois ton grand frère passer un jugement, je pense que tu es mieux pour cette position. Je ne te comprends pas. Que veux-tu dire? Ah, ok. Laisse-moi te dire ce que je pense. Je voudrais que tu deviennes le prochain roi de ce royaume. Ne le répète plus jamais. Tu perds la tête? Mon frère est le successeur du trône. Ce qui fait de lui le prochain roi. Alors, ne le répète plus jamais. Ça, nous le savons pas. Et je ne suis pas d'accord. Mais si mon père est le nouveau de ce royaume, car nous le savons tous, et je ne le doute pas, qu'il contrôle avec les anciens les affaires de ce royaume, et il est à mesure de te soutenir et te faire roi de ce royaume. Ça, c'est seulement si tu te réveilles. T'en peux pas aider? Oui. Nous devons aller le voir. Oui. Allons-y. Je suis au courant de tout ce que ma fille t'a dit. Oui, je le suis. Je veux que tu saches que ton frère est le prince héritier. Je le sais. Mais je peux facilement le mettre de côté et faire de toi le roi. Mais la condition est que tu épouses ma fille. Je ne doute pas de tes capacités. En tant que le nom de ce royaume, je sais que
Tu connais presque tout. Mais dans un cas particulier comme celui-ci, es-tu sûr que tu peux le faire? Je suis très sûr. Mamou pour la tchalo. Bah non. Tout ce que je dis que je peux faire, je peux le faire. Mais j'insiste encore sur un fait. Si je le fais, tu dois épouser ma fille. Parce que si tu agis autrement, Auguste, Wale, moi, je suis un peu plus de temps. Je te donne ma parole. Considère que c'est fait. T'es sûr? Je te remercie. Aisez-moi. Si je te donne ma parcelle de terrain d'hier, serais-tu content? Ton terrain? Qui n'aimerait pas cela? J'aimerais bien. Ok. Si je fais de toi l'ami le plus proche et l'ami le plus important de la maison royale, comment te sentiras-tu? Ça sera un honneur. Je peux le faire. Mais voici ce que j'attends de toi. Je veux que tu le soutiennes. Lui. Pour qu'il devienne le roi de ce royaume. Comment? Cela peut-il être possible? C'est très très possible. Tout ce que tu dois faire, c'est de faire ce que je te demande de faire et de dire ce que je te demande de dire. Ce sera possible. Et quand sera-t-il du grand prince? Voici ce que j'ai dit. Si tu fais exactement ce que je te demande de faire, et moi, ça se passera très bien. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. D'accord. Je vous verrai plus tard. Anna Bouligonke. Azawa. Considère que c'est fait. Tout ce que je te demande de faire, fais-le simplement. Aisez-moi. Oh non. Tu sais que Okeke, Okoro, Wato et Ochuku sont très proches de toi. Et je veux que tu leur parles. Oui. Que je leur parle? Oui. Si le roi et toi les approchez avec la position du roi, plus ton influence sur leur vie, considérant tout ce que tu as fait pour eux, certainement, ils t'écouteront. Donc, j'aimerais que tu causes avec eux. Ok. Je parlerai avec eux. Aisez-moi. Je parlerai avec eux.
Mes frères, vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes rassemblés ici, comme la tradition le demande, pour choisir celui qui sera notre prochain roi. C'est pour cette raison que nous sommes là. Oh no! C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le prince héritier. Qu'est-ce que c'est? Oza! Tu n'interromps pas un ancien quand il est en train de parler. Je suis désolé, mes anciens. Tu dois vraiment l'être. C'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Juste comme je le disais avant qu'il ne m'interrompe. Nous sommes là pour choisir notre prochain roi. C'est effectivement pour ça qu'on se voit. Et notre aimé est là pour nous montrer comment le faire. J'ai un remède à faire. Ozakovasi est le premier fils du roi et le successeur au trône. Écoute, Omia, c'est exactement ce que la tradition dit. Mais la décision des dieux surpasse la tradition. Écoutons d'abord Ezemo, qui a quelque chose à dire. Il est tienne. Les dieux ont donné leur instruction. Et dans ce cas, vous les anciens ici présents, devriez décider de qui sera le prochain roi dans ce royaume. Ezemo! Ezemo! Enfin, veux-tu questionner les dieux? Ça va, j'arrête. Ozo, calme-toi. Calme-toi. Les voix des dieux ne sont pas les voix des mortels. Pas du tout. La seule chose qui est constante chez les dieux, c'est le changement. Les dieux peuvent décider de changer quoi que ce soit pour le bien. Venez. Oui, allons-y. Ah, Nadi, j'espère que tu n'as rien à voir avec ça. Nadi! Hein? Non, c'est blanc. Laissez-le. Moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, si tu es pour Ozo, Ndike, alors je te prie de lever la main. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, si tu es pour Ndike, alors je te prie de lever la main. Quoi? Oh, les bras sont levés. Du palais, tu n'es plus toi-même. S'il te plaît, parle-moi. Obini, s'il te plaît, rentre à l'intérieur. Comment puis-je aller à l'intérieur, mon mari, quand tu ne vas pas bien? S'il te plaît, parle-moi, non. Obigunai, l'inimaginable est arrivé aujourd'hui au palais. Que s'est-il passé, mon mari? Obiniam, elle, c'est moi et les anciens. M'ont dit que mon petit frère occupera le trône de notre père. Hein? Allô? C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Oui, mon mari. Ça ne peut jamais arriver. Oui. Quoi que ce soit ou qui que ce soit, je sais qu'ils veulent défier les dieux dans cette affaire. Oui. Et ils verront. C'est impossible. Ils verront. Oui.
Owaleya. 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 Il est mort? Oui. Oui. Ah, on y va, ça va. Vous êtes sûr? Oui. Igwe banyi. Igwe banyi. Oh non. Igwe banyi. Gat. Majesté. Igwe banyi. Igwe banyi. Oh non. Hein? Igwe banyi. Comment ça s'est passé? Et c'est moi parti. Bon, Igwe. Et c'est moi n'y est plus. Les morts. Ha. Qu'en est-ce de garde? Vous pensez que c'est une blague ou quoi? Dès que c'est fini, on finit avec leur travail, j'ai fini avec eux. Écoutez, laissez-moi vous dire. Quand vous voulez quelque chose, c'est une fois. Vous comprenez? Parce que je sais que ce trône, elle vaut éternellement. Personne d'autre ne l'occupera aussi longtemps que je serai à vie. Oh non! Hein? Oh non! Est-ce mon bouddha? Est-ce mon congou? Oh non! Oh non! Igwe banyi! Oh non! Igwe banyi! Igwe banyi! Igwe banyi! Et tu n'as bon à bon. Tu n'as pas bon à bon.
Non! Personne! Personne ne pourra me reprendre ce trône! Papa, non, j'ai encore envie. Igwe Bagni, Ogo, vous m'avez l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? On est où? C'est quoi le problème? Je suis inquiet. Inquiet à propos de quoi? Quel est le problème que je ne peux pas résoudre? Quel est ce problème qui vous donne cette air que vous avez? Je n'aime pas ça. Garde! Igwe. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ezenwa a refusé que je m'asseye sur ce trône. Il m'a demandé d'abandonner ce trône à mon frère aîné. Vous me manquez en fait que je ne suis rien. De quoi parlez-vous? Ce n'est que votre problème comme ça. Non, de quel Ezenwa parlez-vous? Le Ezenwa en question a tué des Ezenwa puissants. Et vous parlez de Ezenwa. Ezenwa est brûlé à la casa de Nyakwany. Après Ezenwa, il y a un peu de aussi dans les amours, comment les amours peut-il être ton problème? On a une boue, les amours. Encore, c'est ce qui vous rendra heureux que je soutiendrai. Ocha. Oh non. Hein? Es-tu sûr de pouvoir le faire? Pourquoi parlez-vous comme ça? Est-ce la première fois? Est-ce la deuxième fois? Est-ce la troisième fois? Donnez-moi votre ange et vous verrez ce que je ferai. Ha! De quoi parlez-vous? Alors fais-le. Aisez-moi. Igwene Gadio. Regarde cette terre là-bas. Je veux que tu les regardes très attentivement. De Amagou à Amoug. Regarde-les. Igwe. Aisez-moi. Je comprends ce que tu ressens. Donner toutes ces terres à ton frère. Prends ça calmement. C'est la volonté des dieux. Aisez-moi. Igwe. Viens avec moi au palais. Ouais, n'a d'aucun manganado. Dike, na gogo. Ma dike mamma. Oda bougou l'ouada. Aisez-moi. Igwe. Cette terre dont je t'ai parlé sont à toi. Moi? Oui. À moi tout seul? Oui. Tu peux les prendre. Je suis en train de rêver? Non, tu ne rêves pas. Igwe, es-tu en train de blaguer avec moi? Je ressemble à un blagueur. Hey! Oh, regarde, tu m'as gavé. Hey, Zemwa. Oh, tu m'as gavé. Oh, tu m'as gavé. Oh, tu m'as gavé. Hey! Ah, c'est quoi, là, tu m'as gavé? Oh, oui, Kimbele. Oh, tu m'as gavé. Igwe, gardez. Il sait.
Hein, comme Majesté. Oui, Majesté. Aise-moi. Oui, regarde. J'ai remarqué que depuis que tu es né, aucune femme ne s'est donné la peine de prendre soin de toi. Hein? Ouais, ça c'est bien. Laissez-moi. Jette un coup d'œil sur ces filles. Ne sont-elles pas belles? Regarde-les. Elles sont toutes vierges. Vois mes rebikem, vois ben j'ai moi. Oh, ouais, que tu crées que gamembo. Tu seras le premier à les connaître. Elles sont toutes vierges. Hein? Elles sont toutes à toi. Mais ben c'est qu'elles sont logées. Moi? On y a la mose. Igwe! Hmm? Tu as mon soutien. Écoutez, vous d'ailleurs. Tu as mon soutien. Vous y avez bon quoi? Igwe! Faya mougalana à bord. Goudon? Tu connais les. N'y a la mairie qui dit que vous avez bon. Igwe! Votre Majesté, ne soyez pas troublé. Votre Anonobe sera retrouvé. Bien, il est moyen. Garde. On vous écoute, c'est vous autres. Partez. Cherchez dans toutes les maisons de ce royaume. Rassurez-vous de rentrer avec le Anonobe. Bien, vous autres, c'est moyen. Partez immédiatement, garde. Allez chercher l'Anonobe. Oh. Anmenze. Anmenze. Omana. Anonobe, viens de nous voir. Omana. Remercie les dieux que ces plumes ne sont pas dans ta cabane. Au cas contraire, on y va. Êtes-vous ici? Le haut fort royal a disparu. Nous fouillons toutes les cabanes pour la trouver. Et pourquoi êtes-vous là? Nous sommes là pour fouiller ta cabane. Sa Majesté vous a ordonné de venir fouiller ma cabane. Tout à fait. mm-hmm.
n'accorde à vous qu'on gagne des arts. Allez, va fouiller. Hey! Hey! Donc c'est toi! Qu'est-ce que ça veut dire? Ozo, tu es un voleur! Ça veut dire quoi ça? Tu as volé les plumes royales! J'ai fait quoi? Donc tu es un voleur! Écoute Ozo, tu seras amené au palais maintenant! Écoute, écoute! Quiconque a gardé cette histoire dans ma cabane devrait venir la chercher! Ozo, tu es un voleur! Tu je n'ai rien à voir avec ça! Tu viens avec moi au palais maintenant! Fais quoi? Avance, avance! Laisse-moi! C'est injuste. C'est très injuste ce que vous faites. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Laissez-moi. Et voilà, mes chers notables. C'est scandaleux. Un acte scandaleux. Ozo. Après tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille, tu as été mérité l'audace de voler mon anébé. Awo. Ozo. Tu es méchant. Tu es très méchant. Tu sais très bien que un négoué ne mange pas sans son anégoué. Pour cet acte singulier, en tant que igoué de ce grand royaume, je te bannis. Ferme-la, ferme. Tu connais les conséquences de l'acte que tu as commis. Les conséquences de ce que tu as fait, c'est le bannissement. J'essaie d'être juste. Tu connais les lois et traditions de cette grande communauté. Quiconque est reconnu coupable de vol. Devait être banni. Hey! Aucune tolérance pour celui qui a commis un crime. Je suis un roi clément. Assez long, non? Je suis un roi clément. Oui. Je suis un bon roi. Très oui, clément. Bien sûr. Ta fille. Sois exempté de cette punition. Vous êtes un roi miséricordieux. Parce qu'elle n'y est pour rien. Vous êtes un roi miséricordieux. Ta femme et toi seraient bannis. Oh no, Akam de Kwacha. Wow. Je suis innocent. Mais c'est vrai. Je suis innocent. Je te renie comme frère. Je suis innocent. Tais-toi là-bas, innocent. Oh no. Hey! Hey! Garde! Majesté, majesté. Amenez cet homme loin d'ici. Hey! 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 Je suis innocent! À quoi le mal? Il pensait qu'il pouvait être plus fort que les anciens de ce village. Mais nous lui avons montré à quel point nous sommes forts. Il est parti. Hein?
Je connais Oza depuis très longtemps, comme un homme digne. Cela me prendrait du temps pour croire qu'il a fait ce dont il a été accusé. Je suis toujours dans le choc. Qu'aurait-il bien pu lui arriver? Oh. Ça c'est s'il est vraiment coupable. Oh, s'il est vraiment coupable? Et tu penses qu'il est innocent? Écoutez-moi, il y a toutes les possibilités qu'il ait pu faire cela. Oui, ne l'a-t-il pas fait? Et ce mot-là confirmé, coupable. Oh. Tu parlais, tu n'es plus toi-même. S'il te plaît, parle-moi. Oh, Bruni, s'il te plaît, rentre à l'intérieur. Comment puis-je aller à l'intérieur, mon mari, quand tu ne vas pas bien? S'il te plaît, parle-moi, non. Oh, Bigunai, l'inimaginable est arrivé aujourd'hui au palais. Que s'est-il passé, mon mari? Oh, Bimiam. Et c'est moi et les anciens m'ont dit que mon petit frère occupera le trône de notre père. Hein? Allô? C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Oui, mon mari. Ça ne peut jamais arriver. Oui. Quoi que ce soit ou qui que ce soit, je sais qu'ils veulent défier les dieux dans cette affaire. Oui. Et ils verront. C'est impossible. Ils verront. Oui. On m'a regardé, il y a quoi de nénéz, c'est bon. Il est mort? Oui. Oui. On y va, ça va. Vous êtes sûr? Oui, il est mort. Oui, il est mort. Ok, attendez, je vais vérifier. Anofia. Ogbanari ogbe. On te propose un si grand terrain. Toi aussi, tu acceptes ça comme ça. Tu es mort. Ngwakachi ebu. Jogboy donas. Debout. Merci pour ce bon travail. Je suis content. Mais oui, il y a un peu de Attendez.
Igwe Bagni. Igwe Bagni. Oh non. Igwe Bagni. Garde. Majesté. Igwe Bagni. Igwe Bagni. Oh non. Hein? Igwe Bagni. Comment ça s'est passé? Et c'est moi parti. Ouais. Et c'est moi n'y est plus. Les morts. Ha. Qu'en est-ce de garde? Vous pensez que c'est une blague ou quoi? Dès que c'est fini, on finit avec leur travail, j'ai fini avec eux. Écoutez, laissez-moi vous dire. Quand vous voulez quelque chose, c'est une fois. Vous comprenez? Parce que je sais que ce trône est le vôtre éternellement. Personne d'autre ne l'occupera aussi longtemps que je serai en vie. Oh non! Hein? Oh non! Est-ce que mon bouddha? Est-ce que mon congou? Oh non! 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 Et tu n'as pas de non! Non! Personne! Personne ne pourra me reprendre ce trône! Papa, non, je suis encore en vie. Igwe Bagni, Ogo, vous m'avez l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Oh non. C'est quoi le problème? Je suis inquiet. Inquiet à propos de quoi? Quel est le problème que je ne peux pas résoudre? Quel est ce problème qui vous donne cet air que vous avez? Je n'aime pas ça. Garde. Igwe. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ezenwa a refusé que je m'asseye sur ce trône. Il m'a demandé d'abandonner ce trône à mon frère aîné. Vous me montrez en fait que je ne suis rien. De quoi parlez-vous? Ce n'est que votre problème comme ça. Non, de quel Ezenwa parlez-vous? Le Ezenwa en question a tué des Ezenwa puissants. Et vous parlez de Ezenwa. Ezenwa est brûlé à la maison. Comment est-ce que peut-il être un problème? On a une boue, encore, c'est ce qui vous rendra heureux que je soutiendrai. Ocha. Oh non. Hein? Es-tu sûr de pouvoir le faire? Pourquoi parlez-vous comme ça? Est-ce la première fois? Est-ce la deuxième fois? Est-ce la troisième fois? Donnez-moi votre ordre et vous verrez ce que je ferai. De quoi parlez-vous? Alors fais-le. Aime-moi. Igwe Negadio. Regarde cette terre là-bas. Je veux que tu les regardes très attentivement. De Amagu à Amug. Regarde-les. Igwe. Aime-moi. Je comprends ce que tu ressens. Donner toutes ces terres à ton frère. Prends ça calmement. Prends ça calmement. Prends ça calmement. C'est la volonté des dieux. Aisez-moi.
Igwe, viens avec moi au palais. Ouais, n'a donc une maganado. Vite, n'a la n'a gogo. M'a dit que maman. Adam, vous voulez Adam? Aise-moi. Igwe. Cette terre dont je t'ai parlé sont à toi. Moi? Oui. À moi tout seul? Oui. Tu peux les prendre. Suis-je en train de rêver? Non, tu ne rêves pas. Igwe, es-tu en train de blaguer avec moi? Je ressemble à un blagueur. Hey! Majesté. Aise-moi. J'ai remarqué que depuis que tu es né, aucune femme ne s'est donné la peine de prendre soin de toi. Hein? Ouais, ça c'est bien. Aise-moi. Jette un coup d'œil sur ces filles. Ne sont-elles pas belles? Regarde-les. Elles sont toutes vierges. Va me rebikem, va benjinje moi. Oh, regarde ce que j'ai mis. Tu seras le premier à les connaître. Elles sont toutes vierges. Hein? Elles sont toutes à toi. Mais ben, c'est qu'elles sont loguées. Moi? On y a le monde. Igwe! Tu as mon soutien. Écoutez-vous d'ailleurs. Tu as mon soutien. Vous y bon, quoi? Igwe! Faya Mugalana, bon. Oudon? Tu connais elle? N'y a la mairie qui dit que me dégage le bal d'un bambou. Igwe! Votre Majesté, ne soyez pas troublé. Votre Anonobe sera retrouvé. Bien, il est moyen. Garde! On vous écoute, c'est vous autres. Partez, cherchez dans toutes les maisons de ce royaume. Assurez-vous de rentrer avec le Anonobe. Bien, vous autres, témoignez. Partez immédiatement, garde! Allez chercher la nounebe! Oh! Anmenze! Anmenbe na manna! Omanna! Anunabe ginde na mouviana! Omanna! Tata! Papa! Oh, la manna! Abomination! Manna! Agala wome! Okoro! Venez!
remercie les dieux que ces plumes ne sont pas dans ta cabane. Au cas contraire, on y va. Êtes-vous ici? Le haut fort royal a disparu. Nous fouillons toutes les cabanes pour la trouver. Et pourquoi êtes-vous là? Nous sommes là pour fouiller ta cabane. Sa Majesté vous a ordonné de venir fouiller ma cabane. Tout à fait. D'accord, à vous coquiner des arbres. Allez, va fouiller. Hey! Hey! Donc c'est toi! Qu'est-ce que ça veut dire? Ozo, tu es un voleur! Ça veut dire quoi ça? Tu as volé les plumes royales! J'ai fait quoi? Donc tu es un voleur! Écoute Ozo, tu seras amené au palais maintenant! Écoute, écoute! Quiconque a gardé cette histoire dans ma cabane devrait venir la chercher! Ozo, tu es un voleur! Tu je n'ai rien à voir avec ça! Maintenant. Tu viens avec nous au palais maintenant. Fais quoi? Avance, avance. Laisse-moi. C'est injuste. C'est très injuste ce que vous faites. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Et voilà, mes chers notables. C'est scandaleux. Un acte scandaleux. Ozo. Après tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille, tu as pu mériter l'audace de voler mon anébé. Awo. Ozo. Tu es méchant. Tu es très méchant. Tu sais très bien que un igwe ne marche pas sans son anégué. Pour cet acte singulier, en tant que igwe de ce grand royaume, je te bannis. Ferme-la, ferme. Tu connais les conséquences de l'acte que tu as commis. Les conséquences de ce que tu as fait, c'est le bannissement. J'essaie d'être juste. Tu connais les lois et traditions de cette grande communauté. Quiconque est reconnu coupable de vol, devait être banni. Aucune tolérance pour celui qui a commis un crime. Je suis un roi clément. Assez long, non? Je suis un roi clément. Oui. Je suis un bon roi. Très clément. Oui, bien sûr. Ta fille. Sans exempter
de cette punition. Vous êtes un roi miséricordieux. Parce qu'il n'y a pour rien. Vous êtes un roi miséricordieux. Ta femme et toi seraient bannis. Oh non, Akam de Kwacha. Wow. Je suis innocent. C'est vrai. Je suis innocent. Aïe, je te renie comme frère. Je suis innocent. Tête, toi là-bas, innocent. Oh non. Hey! Garde! Majesté. Amenez cet homme loin d'ici. Hey! Je suis innocent. À quoi le il pensait qu'il pouvait être plus fort que les anciens de ce village. Mais nous lui avons montré à quel point nous sommes forts. Il est parti. Hein? C'est moi. Corona y a quoi quoi dans ce bout. Je connais Oza depuis très longtemps, comme un homme digne. Cela me prendrait du temps pour croire qu'il a fait ce dont il a été accusé. Je suis toujours dans le choc. Qu'aurait-il bien pu lui arriver? Oh. Ça c'est s'il est vraiment coupable. Oh, s'il est vraiment coupable? Et tu penses qu'il est innocent? Écoutez-moi, il y a toutes les possibilités qu'il ait pu faire cela. Oui, ne l'a-t-il pas fait? Et ce mot-là confirmé, pourquoi? Oh! Hein? C'est justement ce qui me déconcerte le plus. Que le Zenwo l'ait jugé coupable. Ce qui veut dire qu'il est coupable. Il était coupable! Mais comme le tien auquel elle a dit, qu'est-ce qui va lui arriver? Oublions un peu ce qui va lui arriver. Ha! Il l'a fait. Ne l'a-t-il pas fait? Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Non, je ne le crois pas. Hey! Oui, pardon, monsieur. Qu'est-ce que je ne veux pas comprendre un coupable? Il l'a fait! Hein? Il l'a fait! Je n'ai pas besoin de salir ma machette. Vous pouvez le laisser. Hey, Abou. Anofia. Ina chone. Iye lo se ko ko na kana bonu. Enya kana ba mi won. Na ma kako. E woke. Iye lo se na ma ka mo ke mo.
Mes frères, vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes rassemblés ici, comme la tradition le demande, pour choisir celui qui sera notre prochain roi. C'est pour cette raison que nous sommes là. Onou, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le prince héritier. Qu'est-ce que c'est? Anja, tu n'interromps pas un ancien pendant qu'il est en train de parler. Je suis désolé, mes anciens. Il faut l'être. C'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Juste comme je le disais avant qu'il ne m'interrompe. Nous sommes là pour choisir notre prochain roi. C'est ce que moi je disais. Et notre aimant est là pour nous montrer comment le faire. J'ai une préoccupation. Ozo est le premier fils du roi. Et il est le successeur au trône. Écoute bien. C'est exactement ce que la tradition dit. Mais la décision des dieux surpasse la tradition. Écoutons d'abord Ezemo, qui a quelque chose à dire. Il est tien ikoukaime kaïa. Hey! Les dieux ont fait une instruction contraire. Pour ce cas, vous les anciens ici présents, devriez décider celui qui deviendra le prochain roi. Ezemo! Ezemo! Enfin, peux-tu questionner les dieux? Ça va, j'arrête. Ozo, calme-toi. Calme-toi. Les voix des dieux ne sont pas les voix des mortels. Pas du tout. La seule chose qui est constante chez les dieux, c'est le changement. Les dieux peuvent décider de changer quoi que ce soit pour le bien. Nadi, j'espère que tu n'as rien à voir avec ça. Nadi. Non, je suis pas avec vous, Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Maintenant, si tu es pour Ozo, indique, lève ta main. Qu'est-ce qui se passe ici? Si tu es pour Nadi, ici présent, lève ta main. On est là. Ogualo! Et tiens, non, tu as! Je vous laisse avec! Oui, si tu veux. On n'a qu'un autre choix, tu dois respecter. Mon mari, j'espère que tout va bien. Depuis que tu es rentré du palais, tu n'es plus toi-même. S'il te plaît, parle-moi. Oblige, s'il te plaît, rentre à l'intérieur. Comment puis-je aller à l'intérieur, mon mari, alors que tu ne vas pas bien? S'il te plaît, parle-moi, non. Obigunai, l'inimaginable est arrivé aujourd'hui au palais. Que s'est-il passé, mon mari? Obinyam, elle et moi et les anciens m'ont dit que mon petit frère occupera le trône de notre père. Hein?
Allô? Ça ne peut pas se passer. Ça n'arrivera jamais. Oui, mon mari. Ça ne peut jamais arriver. Oui. Quoi que ce soit, ou qui que ce soit, je sais qu'ils veulent défier les dieux dans cette affaire. Oui. Et ils verront. Ça ne peut pas se passer. Ils verront. Oui. Ça va, arrête de pleurer, ça va. Pas moi. Où est-ce que j'ai pris ça? Isabelle, où es-tu? Garde! Amenez-le pour le rituel d'enterrement. Hey! Passez.
C'est justement ce qui me déconcerte le plus. Que le Zenwo l'ait jugé coupable. Ce qui veut dire qu'il est coupable. Il était coupable. Mais comme le tien auquel qu'elle a dit, qu'est-ce qui va lui arriver? Oublions un peu ce qui va lui arriver. Il l'a fait. Il l'a fait. Ne l'a-t-il pas fait? Oui, oui, il l'a fait. Non, non, je ne le crois pas. Hey. Oui, non, pardon, monsieur. Qu'est-ce que je ne veux pas comprendre un coupable? Il l'a fait. Hein? Il l'a fait. Tu penses que tu es puissant? Nous avons neutralisé ta puissance. Tu n'es rien d'autre qu'une feuille morte. Iwa Kukugu. C'est ce que tu es. Donc c'était ton plan. Machonu. Donc c'est ça ton plan. Je n'ai pas besoin de salir ma machette. Oulaga kwe kwe na. Na kwe kwe. On peut les laisser. Hey, Abou. Anofia, ina chani, yelozi ungoke na kana mwanu, njia kana bemi mo, na makako. Ewoke, yelozi na makamu gemo. Mes frères, vous êtes tous les bienvenus. Nous sommes rassemblés ici, comme la tradition le demande, pour choisir celui qui sera notre prochain roi. C'est pour cette raison que nous sommes là. Onou, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le prince héritier. Qu'est-ce que c'est? Anja, tu n'interromps pas un ancien pendant qu'il est en train de parler. Je suis désolé, mes anciens. Il faut l'être. C'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Juste comme je le disais avant qu'il ne m'interrompe. Nous sommes là pour choisir notre prochain roi. C'est ce que moi je disais. Et notre Zemmour est là pour nous montrer comment le faire. J'ai une préoccupation. Ozo est le premier fils du roi. Et il est le successeur au trône. Écoute bien.
C'est exactement ce que la tradition dit. Mais la décision des dieux surpasse la tradition. Écoutons d'abord Ezemo, qui a quelque chose à dire. Il est tchéniko, hein? Hey! Les dieux ont fait une instruction contraire. Pour ce cas, vous les anciens ici présents, devriez décider celui qui deviendra le prochain roi. Ezemo! Ezemo! Enfin, peux-tu questionner les dieux? Ça va, j'arrête. Ozo, calme-toi. Calme-toi. Les voix des dieux ne sont pas les voix des mortels. Pas du tout. La seule chose qui est constante chez les dieux, c'est le changement. Les dieux peuvent décider de changer quoi que ce soit pour le bien. Nadi, j'espère que tu n'as rien à voir avec ça. Nadi! Non, je suis pas avec vous, je suis pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà! Maintenant, si tu es pour Ozo, indique, lève ta main. Qu'est-ce qui se passe ici? Es pour Nadi, ici présent, lève ta main. Oh, Didi. On est là. Ogualo! Ogualo! Et tiens, non, cœur! Je vous laisse avec! Oui, si tu veux. Ma bagane, On a fait notre choix, tu dois respecter. Mon mari, j'espère que tout va bien. Depuis que tu es rentré du palais, tu n'es plus toi-même. S'il te plaît, parle-moi. Obli, s'il te plaît, rentre à l'intérieur. Comment puis-je aller à l'intérieur, mon mari, alors que tu ne vas pas bien? S'il te plaît, parle-moi, non. Obikunai, l'inimaginable est arrivé aujourd'hui au palais. Que s'est-il passé, mon mari? Obimiam, Ezemo et les anciens m'ont dit que mon petit frère occupera le trône de notre père. Hein? Allô? Ça ne peut pas se passer. Ça n'arrivera jamais. Oui, mon mari. Ça ne peut jamais arriver. Oui. Quoi que ce soit ou qui que ce soit, je sais qu'ils veulent défier les dieux dans cette affaire. Oui. Et ils verront. Ça ne peut pas se passer. Ils verront. Oui. Ça va, arrête de pleurer, ça va. Pas moi.
Où est-ce que j'ai pris ça? Isabelle, où es-tu? Tu vois bien, mais le poisson! Le poisson! Garde! Amenez-le pour le rituel d'enterrement. Hey! Passez. Ah!